Notre pire ennemi, c'est le temps. Il n'épargne personne. Voilà ce que vous devez savoir. Le temps s'est brisé. Une fracture croissante va entraîner sa fin. On a recherché un dispositif pour la réparer. Les choses ont mal tourné. Paul Seren voulait nous arrêter. Il a des super pouvoirs. Jack. Tout comme moi. On a échoué. Jack. Et évidemment, on a dû voyager dans le temps. Jack. Je vais trop vite pour vous? Très bien. Par quoi on commence? Je vous écoute. Reprenons depuis le début. Quand vous êtes arrivé à l'université de Riverport. Je suis revenu pour voir mon meilleur ami, Paul Seren. Il voulait me montrer son nouveau projet. Mon frère Will, un scientifique, était lui aussi impliqué. Ça changerait le monde, selon Paul. Wow. Putain! Mais regarde où tu vas, abruti! Merde! Dégage de la route! Connard. L'université de Riverport. On y est. Eh, hey, merci pour la course. Pas de problème. Vous êtes parti pendant 6 ans. Paul et moi sommes restés en contact, mais Will, pas vraiment. Beaucoup de choses avaient changé. Qu'avez-vous ressenti? J'étais juste content de revoir Paul. Je devrais aller retrouver Paul. Paul m'a dit de le rejoindre dans le bâtiment de physique. Ça m'étonnerait qu'il soit là. Je vais aller voir sur le campus. Dure nuit, hein. C'est pas... De toute façon, plus rien n'a d'importance, alors... Ouais. Je viens d'arriver sur le campus, t'es où? Bon sang, ça fait plaisir de t'entendre. Ah, quand tu seras dans la cour, regarde à ta droite. Tu verras un super bâtiment de physique où la lumière est allumée. Je t'attends à l'intérieur, j'ai vraiment hâte de te montrer ça, mon vieux. Tu m'as toujours pas dit ce que c'était que ça. Je sais, à très vite. Pourquoi à 4 heures? Pourquoi ne pas attendre le matin? Paul avait toujours eu le goût de la mise en scène. Ça, c'est pas bon signe. Sacré manif.
Hey, vous savez où se trouve le bâtiment de physique? Vous voulez parler de cette énorme tortue métallique derrière moi? On peut pas la rater. Merci. Allez, on peut rentrer maintenant. Allez, Amy, on rentre chez nous. La manifestation semblait être une cause perdue. Ça m'a rapproché des étudiants. Si vous êtes avec cette fraternité, vous avez fait assez de dégâts. On doit vider les lieux. Hé, hey, je suis venu en paix. Je viens juste voir un ami. À 4 heures du mat? Ouais, on parlait pas. Eh bien, on essaie de faire connaître la vérité sur Monarch Solution. Alors, si vous voulez savoir comment ils nous mentent, vous pouvez me demander. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Qu'est-ce que ça vous ferait de savoir qu'un énorme conglomérat s'apprête à dynamiter tout un pan de votre patrimoine historique? Vous piquez ma curiosité. Tant mieux, parce que cette magnifique bibliothèque a plus de 100 ans. Elle fait partie de l'histoire de cette ville, et Monarch Solution a l'intention de la détruire demain. Vous voulez savoir pourquoi? Tout est expliqué dans notre graphique. Monarch va raser la bibliothèque pour construire un nouveau centre de recherche. Et pourquoi? Je parie que vous allez me le dire. Pour mener à bien son programme. Enfin, regardez ces chiffres. Il s'empare peu à peu de cette ville et personne ne s'en rend compte. C'est vrai que ça craint. Bon, je dois rejoindre mon amie. Mais laissez pas tomber, d'accord? Je vois. Elle est jolie, au moins. C'est pas vraiment ça. Of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Every story finds its writer. Have two faces, the one we wear for all to see, and the face that lies beneath in the dark.
Paul avait toujours été attiré par le succès. C'est ça qui le motivait. Il figurait dans bon nombre de ces listes de jeunes entrepreneurs de l'année. Et maintenant, il était à la tête d'un gros projet à l'université. Ça comptait beaucoup pour lui. Hé, la manifestation est terminée. Rentrez chez vous. Je suis pas là pour ça, chef. Vous pouvez ranger ce sifflet. Connard. Où est votre uniforme ? Pardon ? Ça va, j'ai eu assez d'emmerdes pour savoir reconnaître un mec de la sécurité. Vous êtes vraiment sûr de vouloir fourrer votre nez ici ? C'était censé être une menace, ça ? Parce que c'était vraiment trop mignon. Allez, dégagez. Vous avez fait un long voyage juste pour voir un projet de recherche. J'ai lu entre les lignes. Paul était très stressé. Il avait besoin d'un ami. Je voulais l'aider du mieux possible. Espèce d'enfoiré. Jack Joyce. En chair et en os. Le grand Paul Seren. Ça gaze le millionnaire ? Ah, ferme-la et ramène-toi. Bienvenue, vieux. Ça fait 6 ans. Je croyais que tu reviendrais jamais. Ouais, moi aussi. Allez, viens. Par ici. On va monter voir le laboratoire du projet. Comment s'est passé le vol ? En première classe. Ça change de notre voyage en van dans l'Utah. Il me manque, ce van. J'imagine que Will ne se joindra pas à nous. Il ne sait pas qu'on est là. Je savais que Paul avait demandé à mon frère Will d'être consultant sur son projet. Will était la seule famille qui me restait. Mais il était compliqué. Par ici, Jack. On monte. Plutôt impressionnant, vos locaux. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai le don de faire cracher leur fric aux riches investisseurs. Je sens que tu me caches quelque chose. Est-ce que ça concerne mon frère ? T'inquiètes toujours pour lui, hein ? Si Will a fait quelque chose de mal, alors... Jack, écoute. Si je n'ai parlé de ça à personne, c'est pour une bonne raison. Le projet sur lequel nous travaillons, il va changer le monde. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir droit à une de tes présentations interminables ? Bon. Je ne me permettrai pas. Non, regarde. Cette présentation pour illustrer le projet tombe à point nommé. Mais qui a bien pu mettre ça ici ? Oh, incroyable. Allez, assez plaisanté. Le labo est par là, Jack. Viens. On va y aller dans ton labo. Je veux voir ta présentation. Je sais que t'adores ces trucs. Allez, Paul, fais-moi rêver. Très bien. Si tu insistes, le progrès, voilà ce qui fait avancer notre espèce. Par le passé, nous avons vaincu des maladies incurables. Explorer le monde. Super, il nous sort son baratin commercial. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Mais un élément a toujours freiné le progrès ultime. Le temps. Je ne suis pas un scientifique, mais voici comment on me l'a expliqué. Nous savons qu'en théorie, un trou noir en rotation crée une déformation de l'espace-temps, permettant l'éventualité de voyager à la fois dans le temps et l'espace. Il y a des années, William Joyce, ton frère, a avancé l'existence des particules chronon, aussi appelées particules de Meyer-Joyce, qui emplissent un champ universel, permettant la progression stable et constante du temps. Ici, au projet Promenade, nous avons combiné ces deux théories. Et nous avons découvert un moyen de manipuler ce champ. Les résultats sont stupéfiants. Ce n'est pas tout, mais je t'en ai assez dévoilé pour l'instant. Ok, c'est parti. Alors ça concerne la physique quantique. Paul, tu sais que mon frère a passé des années à tenter de sortir de cette impasse.
C'est pour ça que t'as demandé à Will d'être consultant ? À la mort du docteur Kim, ton frère s'est imposé comme son remplaçant logique. Bienvenue dans le projet Promenade. Eh ben... Vous devez avoir un sacré budget. Qu'est-ce que c'est que tout ça? L'avenir, Jack. Tu as sous les yeux la plus grande découverte de notre temps. Impressionnant, mais c'est Will le scientifique. Pourquoi t'as fait appel à moi? Ce n'est pas pour rien que nous faisons ça à 4h du matin, Jack. J'ai besoin d'une personne de confiance. J'ai besoin que tu m'aides à convaincre Will. Ça, je m'en doutais. Quand ton frère a découvert la portée de ce que nous construisions ici, il... Eh bien, tu connais Will. Ouais. Ne bouge pas, je vais chercher quelque chose sur mon bureau. Oui, il est parti en vrille. Il a fait fuir les investisseurs en leur parlant d'erreurs de calcul, de danger. Le tout, sans aucune preuve. Ça fonctionne. Mais ils vont nous couper des vivres si je ne le prouve pas. Jack, tu sais, ce n'est pas facile pour moi de te demander de l'aide. J'ai de gros ennuis. Les tests que je dois mener ici ne sont pas vraiment légaux. Tu es le seul à pouvoir m'aider et en qui je puisse avoir confiance. Peu importe ce que Will a fait, je tiens à le réparer. J'adorais mon frère, mais il ne me facilitait pas la tâche. La plupart des réglages sont déjà faits. Je pourrais demander à n'importe qui, mais c'est avec toi que je veux le faire. Jack, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, qu'est-ce que c'est ? Le plan du couloir. Voyager dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à une avancée dans le temps. Le sens inverse à un retour dans le temps. Ah ! Vous avez inventé une sorte d'horloge ? Oui, c'est vraiment révolutionnaire. Il mène où, ce sas ? Tu devrais plutôt dire, il mène quand ? C'est profond, ça. Il faut que tu pousses le levier étiqueté « Conduit à Cronon ». Ça activera le noyau. Je vais faire des tests et m'assurer que tout reste stable. On doit continuer à pousser, Jack. C'est juste le conduit à Cronon qui s'active. T'es sûr que c'est censé faire ça ? Ils sont stables ! C'était quoi, ça ? Le noyau simule les effets d'un micro-trou noir en rotation, alors son activation peut être un peu... intense. Un trou noir ? C'est quoi le but de l'expérience, déjà ? Tu vas bientôt le savoir. Par ici. On doit élever le couloir, c'est comme au bon vieux temps, pas vrai ? Un petit parfum d'illégalité et de danger. J'avais fait les 400 coups avec Paul quand on était jeunes. Cette fois, je voyais que c'était différent. Mais je saisissais pas l'ampleur et la gravité de ce qui allait se passer. Comment j'aurais pu ? Je connaissais Paul. Il essayait de paraître détendu, mais je sentais qu'il était nerveux. Ça y est, on va vraiment le faire, Jack ! Ça va être un truc de fou ! Tiens, prends ça. Tu as besoin de cette clé pour activer le couloir.
On doit tourner les clés en même temps pour l'activer. Question de sécurité. Prêt ? J'ai l'impression d'armer une bombe atomique. Attends, on lance pas une bombe atomique ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. 3, 2, 1... Merde, Paul ! Qu'est-ce que c'est ? Le couloir. Le voyageur entre par une extrémité, fait le tour de la boucle, ressort de l'autre côté et arrive à la date programmée, à l'endroit où la machine se situe à ce moment-là. Le voyageur ? Attends. Ce couloir sert à... Tu vas vraiment entrer là-dedans ? Dans cette machine ? À travers le temps ? Ce truc est une machine à voyager dans le temps. Je vais être le premier, Jack. Et tu vas y assister. C'est de la folie, Paul. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qui se passera quand... L'équipe a déjà prouvé qu'elle fonctionnait pendant la phase d'essai. Elle est prête. Nous avons passé tous les tests, toutes les inspections. Nous allons entrer dans l'histoire, Jack. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur ce bouton. Deux minutes dans le passé. Souviens-toi de ce moment. Paul ! Mais comment est-ce... Tout va bien. Tout va bien. Reste calme, Jack. Reste calme, mais... Vous êtes deux! Tu t'es multiplié, putain! Tout s'est déroulé exactement comme prévu, c'est... C'est juste... C'est moi! Une version de moi tout droit sortie du... Deux minutes dans le futur. Ton moi maléfique du futur. On a réussi! C'est incroyable! Tu réalises... Imagine ce que ça implique. On pourrait prévenir les gens avant que les catastrophes avant se produisent. Avant que les catastrophes se produisent, guérir les maladies avant qu'elles se propagent. Je t'ai dit ça il y a deux minutes. Et ça sonne toujours aussi bien. Bordel de merde. À toi d'entrer dans la machine. Tu dois compléter le cycle. Oui. Oui. Évidemment. Paul, attends. Qu'est-ce que tu fais ? C'est comme une grande boucle, Jack. Je dois entrer dans la machine et retourner au moment où j'en suis sorti pour... Eh bien, tu vois... Pour être là. Et si tu ressors pas ? Il n'y a pas de si, Jack. Je suis là, ça s'est déjà produit. Tu l'as bien vu, Jack. On a réussi. Non, c'est impossible. C'est complètement impossible, je veux dire. Je sais même pas comment... Il n'y a pas une seconde à perdre. On doit tout de suite tester l'autre sens. Règle la machine sur 5 minutes dans le futur. Jack. Will ? Tu dois m'aider. On doit la désactiver ! Non, arrête-le ! La ferme ! Attends, endommager le noyau ! Attends ! On peut pas la désactiver, Paul est toujours dedans ! La ferme ! Regarde-moi ! La ferme ! Regarde-moi ! Lâche ton arme ! On va parler, d'accord ? On n'a plus le temps ! Mais tu sais plus ce que tu fais ! Lâche ton arme ! Putain, Will... Le temps va s'arrêter ! Jack, fais-moi confiance. Sinon quoi ? Arrête-le ! Non, je dois te faire sortir. Non. Ça va ? Je crois que oui. Je vais trouver un moyen de sortir. Occupe-toi de Will. Ouais. D'accord.
Les mots de Will résonnaient dans ma tête. Le temps va s'arrêter. Putain, c'est quoi ça? Les données étaient stables. Ça aurait dû marcher, Jack. Ça aurait dû marcher. Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est dingue. Est-ce que ça va durer? Will! Will? Allez, Will. Zéro. Qu'avons-nous fait? Elle m'avait prévenu. Je savais qu'elle avait raison. Depuis le début. J'ai mis Paul en garde. Tout ça aurait pu être évité. Jack! C'est trop tard. Jack, le sas est bloqué. Je ne peux pas sortir. Ça n'aurait pas dû se produire, toutes les données étaient... Jack! Il n'y a pas d'autre issue. Je vais traverser la machine. Paul, attends! Non! Jack! Par ici! Jack! Jack! Par la trappe par laquelle je suis entré! Je voulais pas quitter Paul. Mais je pouvais rien faire pour l'aider. Je savais pas où il allait atterrir. Jack! Par ici! Vite! Il est là! Tirez! C'est quoi ça? Vite! Par ici! Faut pas qu'on s'arrête. Par ici. Allez. C'était la première fois que mes pouvoirs se manifestaient. Une décharge d'énergie incontrôlée qui a sauvé Will. Jack, je sais que c'est dingue. Mais on doit y aller.